Cécile, je l'ai photographié, il était en train de se toiletter. Alors bon, j'ai eu plusieurs poses. Bon, celle-là où vraiment il a le cou qui passe en dessous l'aile. La branche, là, c'est une branche de noyer que j'ai pris tout au printemps. J'étais sous la branche, la photo a été faite au flash, et le fond blanc, en fait, c'est le ciel qui était très pâle. Cet écureuil, je l'ai photographié en petite Camargue, et en fait, je l'avais vu courir sur les pontons en bois. Il est monté sur cet arbre, et il s'est assis sur ce petit bout de branche, et je me suis mis en affût léger sous une toile, un matin à 5 heures. Le premier matin, je n'ai pas fait de photo, les renardeaux étaient là, mais un petit peu trop loin. Et le deuxième matin, en fait, j'ai réussi à faire toute cette série de clichés. J'avais réglé la mesure de lumière de mon appareil sur spot, de façon à prendre uniquement la lumière sur les grès. C'est ce qui explique que le fond est tellement sombre. C'était dans le parc de la Brenne, dans le parc naturel de la Brenne, près de Châteauroux. Et en fait, cette aigrette longeait une phragmitée et elle avait une attitude qui était bizarre. Et l'autre aigrette est arrivée en vol en face et elles se sont accrochées. C'est une cigogne qui avait son nid sur un peuplier cassé qui était en forme de chandelle. Et j'ai fait la photo au moment où elle a sauté du nid pour prendre son envol. Et quand j'ai vu dans la terre givrée une petite tête sortir d'un terrier, j'ai posé mon trépied par terre et je me suis mis à genoux derrière mon téléobjectif. Et quand la tête est sortie une deuxième fois, j'ai dit non, c'est pas un campagnol, c'est une belette. Les chevreuils étaient là, ils se promenaient dans la brume, j'attendais que ça se lève. Ça ne s'est pas levé. Je pensais, bon, ben, on va essayer à tout hasard de photographier dans la brume. J'avais ce héron qui était tout minuscule dans le paysage. Ça m'a un petit peu fait penser à une estampe japonaise, parce que ça a été cadré avec un fort téléobjectif. Et c'est vraiment une toute petite portion d'un paysage. Je photographie généralement les chamois autour du grand ballon, comme celui-ci par exemple, ou alors autour du honnec. Il faut arriver le matin de bonne heure, au lever du jour, mais bon, autour du honnec, ils ne sont pas farouches. Hein. Cette photo, c'est un rocher qui se détache sur un ciel avec un coucher de soleil. Je marchais et je me suis retourné à un moment et j'ai vu cette silhouette. C'est un lucarne cerf-volant que j'ai photographié dans mon jardin. Il était sur un bout de bois mort. Et pour photographier ce cerf-volant, j'ai utilisé trois flashs, deux pour l'éclairer lui, et un troisième pour éclairer le fond. Je suis Vontron Philippe, je pratique pendant mes loisirs la photo dans la nature, un petit peu de paysage, mais essentiellement de la photo animalière et puis de la macro. Ma façon de procéder, soit je me promène et je photographie ce que je rencontre. Par contre, de temps en temps, il m'arrive d'utiliser des observatoires publics, par exemple en Petite Camargue. Et quand de temps en temps, vraiment, je repère un sujet, il arrive de faire des petits observatoires, des petits affûts légers, de rarement plus de 2h30, 3h, juste camouflés par une toile ou par un filet de camouflage. Okay, bah merci beaucoup. Bah, c'est moi qui te remercie.